Préoccupez-vous de la source d'énergie de votre objet connecté au plus tôt. Ça peut paraître choquant, mais il arrive encore que les concepteurs d'appareils connectés aient déjà prévu l'emplacement et la taille de la batterie sans anticiper le comportement de la batterie dans l'appareil. C'est une grossière erreur, vu qu'une pile A de 3,6 V ne peut pas délivrer 100 mA en courant à 3,6 V. Faites très attention aux mentions des fiches techniques, qui font souvent état de performance en pulse à une température donnée et souvent sur quelques jours seulement. Donc, si la taille de la batterie est votre contrainte principale, attendez-vous à déroger sur la durée de vie ou sur les distances et données à transmettre. Si votre priorité, c'est la performance, faites attention au volume disponible dans l'appareil pour répondre aux attentes des utilisateurs de façon fiable.